Je vais passer devant comme d'habitude. Faut toujours tout faire ici. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il veut bien passer devant. Ah non, il est incapable de marcher silencieusement. Alors, faut pas te plaindre. Ça va, ça va. J'ai une idée. Je vais lancer un sort de détection pour savoir s'il y a des ennemis en bas de l'escalier. Super. Allez, lance-le ton sort si ça t'amuse. J'ai ça dans le livre. Alors retire un poulet, coudre une chaussette, éloigner sa belle-mère. Alors, ça vient ? Eh oui, je connais pas cette formule, je dois chercher dans mon livre de sorts. Le temps que tu trouves, les ennemis seront morts de vieillesse. Ça y est ! Détecter les ennemis en bas des escaliers. J'en ai plein le cul. Allez, dépêche-toi. Ah, Fladanas, Wadro. Elle est sûrement en communication avec un autre monde. Je vois un aventurier avec une cape grise. Je vois une femme toute vêtue de vert avec les oreilles pointues. Je vois un barbare et une espèce de nabo avec un casque en fer. Je vois une grande créature avec un pagne. Je vois... Ne fatigue pas, c'est notre groupe que tu vois. Et t'as oublié une magicienne complètement naze. Désolé, il y a beaucoup d'interférences ici. Sûrement une puissante magie à l'œuvre. En tout cas, nous avons constaté l'efficacité de la tienne. Bon, c'est pas grave. Je vais descendre en premier en utilisant ma compétence naturelle pour le déplacement silencieux. Fais gaffe, les escaliers sont glissants. Bon, j'y vais, on va bien voir. Passez-moi une torche. Excusez-moi, mais je vais pisser. Je vais doucement, et ça glisse. J'en ai marre. Tu vois quelque chose dans l'escalier ? C'est comme si quelqu'un avait vomi par terre. Ne fais pas de manière, avance donc. Mais ouais, mais j'ai pas envie de... Ah, ça va ? Il y a une porte en bas. Et alors ? Et alors elle est fermée, merde ! Je l'avais bien dit, on n'a pas encore visité le niveau. Mais tu peux pas ouvrir la porte au lieu de raconter des conneries. C'est toi le voleur. Bon, je descends, pas la peine de t'énerver. Ça glisse. Il m'a mis son pied dans l'œil, ce con. On est cerné par les incapables ici. Tu veux qu'on reparle de ta magie ? Et alors ? Attendez, j'examine la porte. Vous allez rire, il n'y a pas de serrure. Impossible d'utiliser mes talents. Bordel, on va pas passer la nuit sur une putain de porte. J'y vais. Ça glisse. Il est aussi empoté que les autres. Vous allez voir comment on ouvre une porte. Ça fait un boucan du diable. Mais donne-moi cette hache. Voilà. Et merde, tu veux sonner l'alerte ? C'est déjà fait, cette connasse d'elfe a frappé à la porte. Je t'emmerde, Pecno. Et comment c'est en bas ? Une grande salle avec un couloir. Venez, il faut descendre avec prudence. Ça va ? Bof. Ouais. Ça va. Je crois que je me suis tordu la cheville. Ah, bravo. Oh, t'es vraiment un boulet. Je vais te faire un soin des blessures légères. Mais je ne suis pas sûr que... Ici, bouge pas. Et voilà. Merci, mais c'était l'autre jambe. Et galère. Je me sens super bien. Maintenant, tu as deux chevilles neuves. Si ça ne vous ennuie pas, on pourrait avancer. Quoi ? Il dit qu'il a vu des choses bouger dans l'ombre. Tu dis bonjour, je dis au revoir. Du coup, ça fait court, là.